Nous avons lu dans le zodiaque, nous avons vu le signe Léo. Nous avons lu dans le grand livre, le ministère du Fils de l'homme, qui est revenu dans ce âge, afin de manifester l'épouse. Franchement, nous vivons dans un temps prophétique. Sûrement, nous vivons dans un jour prophétique. Certains, nous vivons les jours de la prophétie. Les jours de l'autre, il en sera de même. Au jour du Fils de l'homme, il a visité Abraham sous la forme d'un serviteur. Il lui a donné la promesse de la venue du Fils promis. Il avait discerné les pensées cachées dans le cœur de Sarah. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Il en sera de même au temps du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pendant les jours de Noé, il en sera de même à la révélation du Fils de l'homme. L'iniquité se sera accrue et l'amour se refroidira, au point que s'il était possible, même les élus seraient séduits. La charité d'un plus grand nombre et l'amour se refroidira. Il en sera de même au temps du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. De l'Orient en Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles, et le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les nuées. Et le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les nuées. Là où sera la viande fraîche, là s'assembleront les aigles. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Thank you.
un nuage mystérieux a été photographié au-dessus de l'Arizona. Nous sommes témoins de ces choses comme signe du Fils de l'homme, Dieu accomplissant sa promesse dans un monde si scientifique. Le signe du Fils de l'homme a été photographié. Le signe du Fils de l'homme au-dessus de l'Arizona. Le signe du Fils de l'homme comme nuage mystérieux. Vont venir où vous allez désirer voir l'un des jours du Fils de l'homme. Vous allez chercher ça et là et vous ne le verrez point. Mais quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi dans l'église? Mais quand viendra le Fils de l'homme, y aura-t-il la foi dans les gens? L'homme est apparu, il a été manifesté dans le ministère d'un prophète. C'était Dieu dans la chair humaine qui pouvait discerner les pensées, mais les gens ne l'ont pas compris en l'appelant télépathie. Mais les gens ne l'ont pas compris en disant que c'est de la magie. Le Fils de l'homme fut révélé dans ce temps de la fin. Il a montré le même signe, le discernement prophétique. N'est qu'un signe de sa venue, un rassemblement des élus de la sémence d'Abraham qui ont reconnu leur époque par le signe du Fils de l'homme, qui ont reconnu la voix de Dieu dans le message.